Salut les filles, voilà donc je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc c'est une revue produit. Donc je vais vous parler de la gamme Sébo Végétal de chez Yves Rocher. Donc c'est une gamme que j'utilise depuis à peu près pas mal de temps maintenant. Puisque c'est une gamme qui sert aux personnes qui ont la peau mixte à grasse. Donc c'est mon cas, voilà, j'ai la peau mixte à grasse malheureusement. J'ai tendance à avoir la peau qui brille en milieu de journée et j'aime pas du tout ça. C'est vraiment quelque chose que je déteste. Voilà. J'ai découvert cette gamme il y a à peu près un peu moins d'un an, je crois. C'était une commerçante de chez Yves Rocher qui a appelé ma mère et qui lui a dit, écoutez, on a toute une gamme de produits qu'on peut vous faire tester. Et ils lui ont fait des réductions. Et du coup, voilà, qu'on a reçu le paquet. Vu que ma mère sait pas trop dans quelle phase elle se situe niveau peau, mais elle se situe dans les peaux normales en fait. Du coup, elle m'a fait, tiens, toi qui je sais que t'as un peu la peau mixte à grasse, ces produits-là vont te servir. Donc je dis, bah ouais, je vais pouvoir tester de nouveaux produits, etc. Donc d'abord, je vais vous parler de leur composition. Donc c'est des produits qui sont à base de poudre de pingale, de pekal, je sais pas comment ça se prononce du tout. Donc elle est issue, en fait j'ai écrit sur un carnet des choses importantes à vous dire pour pas que j'oublie. Donc elle est issue d'une filière végétale. En fait c'est une poudre qui est extraite d'une racine de scutellaire. En fait c'est une plante originaire des États-Unis. Voilà. Et donc cette poudre de pingale va permettre d'éliminer l'excès de sébum et puis d'hydrater le visage. Voilà. Il faut savoir que l'excès de sébum protège la peau. C'est quelque chose qui sert à protéger la peau malheureusement, qui fait briller la peau malheureusement. Donc tout d'abord, là je vais vous présenter un peu les produits. Alors, je vais commencer par... Je vais commencer par quoi? Je vais commencer par voilà ceci. Donc c'est un masque pureté. Voilà. Donc c'est un masque à base d'argile. Il est vraiment très sale par contre. Que j'ai presque fini d'utiliser. Mon copain l'utilise aussi alors qu'il a la peau plutôt sèche. Mais bon, c'est pas grave, hein. Voilà, donc ce qui est écrit derrière, donc ce masque à texture fraîche enrichi en argile, absorbe instantanément l'excès de sébum et désincruste les pores en profondeur. La peau est nette, fraîche comme neuve, elle respire à nouveau et retrouve sa matité. Donc il faut l'appliquer environ 2 fois par semaine sur le visage et laisser reposer au moins 5 minutes. Moi perso, je le fais une fois par semaine, allez à tout casser, et encore des fois, je ne le fais pas. Et je le laisse. J'attends bien que ça sèche, et que ça me tire en fait sur ma peau. Voilà. Donc en ce moment, vous pouvez le trouver à 6 € ou 12 €. Et je vais noter un peu les produits de cette marque-là que j'ai. Donc celui-là, je le note sur 7 sur 10 parce que voilà, je le trouve bien, mais sans plus quoi. C'est pas le meilleur masque que j'aurais testé. Et voilà. Ensuite, je vais parler d'un gommage. Donc c'est le gommage purifiant. Donc en fait, je tire ce qu'il y a derrière. Il y a des fines particules, donc ça exfolie la peau. J'ai la flemme de lire derrière en fait. Comme vous voyez, il est assez entamé quand même. Je le trouve bien. J'ai la peau beaucoup plus douce après, mais je trouve pas qu'il gomme extrêmement bien. Après voilà, donc je lui donne la note de 7 sur 10 pareil que le masque. Vous pouvez le trouver à 8,50 € en ce moment, je crois. Après, il y a peut-être encore des réductions, mais quand j'ai regardé, c'était pas encore les seuls. Quand j'ai préparé cette vidéo, c'était pas encore les seuls. Donc maintenant, il y a peut-être des réductions. Voilà. Donc je trouve plutôt pas mal. Il est plutôt sur la peau et c'est vrai qu'il a une texture assez douce. Il sent vraiment très bon. En fait, il est blanc. Je sais pas si vous voyez là. Il est blanc avec des petites particules marron. Donc voilà, il y a des petits grains, mais il gomme pas mal, on va dire. Donc voilà, il est assez bien, mais sans plus quoi. C'est pas le meilleur gommage que j'ai utilisé, tout simplement. Donc ensuite, je vais passer au gel nettoyant purifiant. Donc celui-là, j'en ai reçu deux en fait. Voilà. Donc en fait, c'est un gel qui nettoie parfaitement et débarrasse les pores des impuretés sans sécher la peau. Donc la peau est propre, etc.
Donc moi je l'utilise avant ma douche. Avant de ma douche, avant de me faire un masque ou un gommage, je me nettoie la peau avec ça. Parce qu'il faut savoir qu'il faudra la peau nettoyée. Donc je le trouve bien, il nettoie vraiment bien la peau. Il sent vraiment bon aussi. Enfin, tous les produits Cebu Végétal sentent vraiment bon. Ils nettoient vraiment bien la peau. Vous avez une texture toute fraîche sur votre peau. Ça fait énormément bien. Donc voilà, je lui donne la note de 9 sur 10 parce que moi je le trouve super bien. Il nettoie vraiment bien la peau. Et il est vraiment très pratique. Et voilà, la texture fraîche, comme je vous dis, j'adore mettre un produit avec une texture fraîche. Donc franchement, je l'adore ce produit. Donc vous pouvez le trouver à 4,50€ au lieu de 8,50€. Voilà. Ensuite, je vais vous parler d'un produit que j'ai terminé. Malheureusement, je l'ai terminé. C'est le tout produit que j'ai testé de cette marque, de cette gamme-là. Malheureusement, voilà, comme je vous dis, je l'ai terminé. Il en reste vraiment qu'un tout petit peu. Même pas. Ça sort plus. Donc, il est dans mes produits terminés pour que je fasse une vidéo produits terminés bientôt. Là, j'attends d'avoir encore quelques produits et après, je vous ferai une vidéo produits terminés. Je l'ai adoré ce projet, c'est vraiment mon chouchou quoi. J'ai mis un 9 sur 10 parce que 10 sur 10 ça serait trop quand même. Un produit peut pas avoir 10 sur 10. Franchement je l'ai adoré, il matifie bien la peau, il absorbe l'excès de sébum. Franchement il est super bien quoi. Voilà, je l'utilise tout, enfin je l'utilisais tout le temps parce que maintenant je peux plus. Il n'y en a plus. Mais il est vraiment super bien et je pense que je le... Quand j'aurai fini l'autre que j'utilise en ce moment, je pense que je vais me le racheter. Surtout que celui-là, il est vraiment pas cher. En ce moment, il est à 6€ au lieu de 12€. Donc je pense que je vais aller me l'acheter pendant les soldes. Comme ça, moi, je serai tranquille. Puisqu'il est vraiment pas cher. Et pour ce qu'il donne, franchement, il est vraiment super bien. Donc je vous le conseille parce que voilà. En plus, il hydrate hyper bien la peau. Et chapeau. Ensuite, donc c'est celui-là que j'utilise en ce moment pour le remplacer. Bon, c'est pas du tout la même chose comme vous pouvez le voir. Ici, c'était un gel crème matifiant. Là, c'est un sérum pour resserrer. Mais bon, j'alterne. Enfin, voilà, ça remplace quoi. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est un sérum pour resserrer. Il resserre super bien les pores. Ça, c'est vraiment. Voilà, il est vraiment top, tip top quoi. Pareil, 9 sur 10 la note. Franchement, il est juste super. Il est texture fraîche quand vous le mettez. La peau l'absorbe directement en fait. Et il y a vraiment une absorption de la peau, de l'excès de sébum. J'adore l'utiliser. Je trouve super pratique. C'est voilà. Ça en fait. Comme ça, vous en mettez pas trop. Et je trouve ça juste super. Donc, moi, j'adore ce produit. Il y a une texture fluide. Et enfin, franchement, il est super bien. Donc par contre malheureusement son prix est vraiment exagéré, il est à 19€, donc je pense pas que je me le rachèterai, même si c'est un très bon produit, je pense pas que je vais me le racheter parce que voilà, le prix est quand même assez c'est le plus cher des produits je crois de cette gamme là et voilà. Donc moi la je mets un 9 sur 10 puisque j'adore et ils sont super bons, voilà. Je vais passer maintenant au dernier produit, c'est l'eau micellaire. J'ai pas de mots en fait, c'est vraiment un produit que j'adore. Désolée, je parle du nez, j'ai le nez bouché. C'est vraiment un produit que j'adore. Ça fait pas longtemps que je teste parce qu'en fait, quand j'ai préparé cette vidéo, il y a à peu près une semaine et demie, 2 semaines, je me suis dit que je vais faire une vidéo, produit Cebu Végétal de chez Evrochi, etc. Et je prends le carton et tout. Et là je vois ça dedans, je fais waouh, j'ai jamais vu ça. En fait, depuis que j'ai le carton, j'ai jamais vu ce produit dedans. En fait, il était coincé au fond. Donc sinon c'est super. Donc j'ai voulu le tester. Et maintenant c'est devenu mon chouchou. Voilà. Je lui mets un homme de 9,5. C'est mon produit préféré de cette gamme-là. C'est sans hésiter, c'est mon produit préféré. Je l'applique matin et soir. Donc c'est un produit qui sert à démaquiller la peau et à la rafraîchir, à la tonifier. J'ai pas de mots. En fait, quand je le mets avec un coton, et genre, le soir quand vous êtes crevé, c'est juste trop bien. Vous avez la peau qui est rafraîchie, etc. C'est... J'adore. J'adore, j'adore. Franchement, c'est vraiment un produit super bien. En plus, il absorbe extrêmement bien la peau. Ah, l'excès de sébum. La peau. Et l'excès de sébum. C'est vraiment un produit que j'adore. L'odeur.
est juste tip top. Par contre, il se baisse assez vite, malheureusement. Mais je me le rachèterai. Sans hésiter, je me le rachèterai. Donc, celui-là, il est à 8,50€. Donc, en plus, il est pas cher. Franchement, 8,50€ pour une eau micellaire qui marche aussi bien. Démaquiller en profondeur. Enfin, je me démaquille avant et après, j'utilise ça pour me redémaquiller en profondeur. Et il démaquille super bien. Il pique pas les yeux. Ça, c'est bien. Il pique pas les yeux. Et moi, j'adore. Franchement, c'est vraiment un produit. J'aurais dit, je sais pas combien j'adore dans la vidéo. Mais bon, c'est pas grave. Enfin, voilà. Donc voilà, je vous ai présenté la gamme C'est beau végétal. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez besoin de conseils ou d'autres sur d'autres choses que vous voudrez savoir sur cette gamme là, je suis là. Vous pouvez m'envoyer un message sur ma page Carpe Diem qui sera en barre d'infos, à ma page Facebook Carpe Diem, ou alors par un message YouTube ou en commentaire en dessous de cette vidéo. Faut savoir que je n'ai pas toute la gamme, enfin j'ai toute la gamme sauf un produit, c'est la crème zéro défaut. Celle-là je ne l'ai pas et je sais pas si je vais me l'acheter, mais je vais peut-être la tester, on verra bien. Si j'ai la tête, je vous en parlerai, qu'est-ce que j'en pense, etc. Je vous en reparlerai. Donc comme vous avez compris, mon meilleur produit c'est celui-ci. Et celui que j'aime le moins, il n'y en a pas que j'aime le moins. Je trouve que voilà, Yves Rocher a fait une très bonne gamme de produits pour les polistes à grasse. Voilà, c'est un peu des produits miracles qui réduisent l'excès de sébum. Et moi perso j'adore utiliser ce produit-là. Voilà, les deux que j'utilise vraiment beaucoup en ce moment, enfin tous les matins et tous les soirs, c'est ces deux-là. Donc voilà, j'utilise d'abord le micellaire et ensuite le sérum pour resserrer. Donc voilà, je vous aurai présenté les produits et puis j'ai rien d'autre à dire en fait. Voilà, dites-moi en commentaire, hein, je vous le dirai à chaque vidéo, mais dites-moi en commentaire quelle vidéo vous aimeriez que je vous fasse. Et puis voilà, j'espère que ça vous aura plu, je vous fais de très gros bisous et passez de bonnes vacances.